رام الله. InfoLive TV est venu assister au deuxième festival international du film d'Ashdod pendant les fêtes de Pessah. Il présente au public plus de 50 longs métrages étrangers et israéliens, tous dédiés au thème de la romance. Les films étrangers participants proviennent d'une vingtaine de pays différents. À la tête des invités de l'événement, l'acteur et réalisateur Jean-Marc Barr, ainsi que le réalisateur hongrois Caroline Mack. Ils font partie des membres du jury de la compétition. Et parmi les membres israéliens de ce jury figure le réalisateur Amos Gitai, qui a reçu le prix du maire de la ville, Zvi Zilker, pour sa contribution à la promotion du cinéma israélien dans le monde. Cette deuxième édition est présidée par Menachem Golan et dirigée par le producteur exécutif Doron Eran. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. You're both the director of this event today in Ashdod, the International Film Festival, and also a filmmaker. Could you tell us about the film that you're presenting today here in Ashdod in the festival? I'm presenting a new movie that I directed and produced by the name A Wedding Film, based on a novel by Uri Edelman. It's a comedy. It's about a case that happened to us in Israel lately, that the couple get married, and in the evening of the marriage, the bride is not coming. You are receiving here today as a director. You're receiving a few guests, international guests. Could you tell us about your choice and who did you invite? Why them? We invited here a director by the name Károly Mack from Budapest. Károly directed a movie by the name Love that was at the awards in Cannes Festival, the Palme d'Or, and chose as one of the best 100 movies ever. And Jean-Marc Barr, the French, German, American, I don't know, that we saw him in The Big Blue and Lars von Trier films, and so he came also here. And Michael Sarner and other directors from Europe. They came with their films and they came to be a part of our jury. A lot of guests are coming from abroad. Some of them didn't come, like the German Kier. Do you think it's about security? It's about terror attacks, fears? אני חושב שרק חלק קטן מאלה שלא באו חוששים מאירועים טראומטיים. והאמת היא שהיום קרה משהו, כן? אנחנו פה אחרי מספר שעות שקרה משהו. יש לנו פצועים ואולי אפילו הרוג אחד מאשדוד. נקבל פרטים יותר מאוחר. אבל נדמה לי שבחודשים האחרונים האווירה נרגעה. The press talk about this very today famous sentence that you said last year, which was Ashdod ze kan, during the film festival. Did you mean it really? אם כן, לכאן יש משמעות בעברית, יש משמעות בצרפתית. אשדוד היא כאן בעברית, זאת אומרת, אנחנו על המפה. וכדאי שכאן תהיה כאן. Jean-Marc Barr, bonsoir et merci beaucoup pour répondre à nos questions et bien vouloir répondre à nos questions sur InfoLive TV. Vous êtes ici à Ashdod, parmi nous en Israël. Quel est votre sentiment ? Souvent, quand on fait des festivals, on a l'occasion de revoir des amis comme Amos et découvrir des autres amis dans le même métier et parler avec passion sur une chose qui nous passionne beaucoup. Le festival est tout nouveau ici, donc il est dans ses premières années et moi je découvre Israël et Tel Aviv et c'est quelque chose de très fort. Hein, donc, oui, donc vous habitez à Tel Aviv pendant que le festival se passe à Ashdod. C'est-à-dire qu'on dort à Tel Aviv, on voit 4 films par jour. On a eu le grand honneur d'aller à Jérusalem hier et de découvrir ça. Et c'est... Il y a beaucoup d'histoires ici, hein, donc d'être ici est très riche comme expérience. Et j'espère, en tout cas, revenir en travaillant, j'espère, sur un film. Mais
On est en Europe ici d'une certaine manière pour moi, parce qu'il y a une mentalité européenne, un désir pour le cinéma, et c'est très rassurant. J'étais très content d'être là. Le peuple israélien me touche beaucoup. Ils sont comme les gens de l'Europe de l'Est, avec cette même chaleur et cette même simplicité. Voilà. Avez-vous hésité lorsque vous avez reçu une invitation pour venir en Israël à cause peut-être d'une appréhension ou quoi, ou qu'est-ce, surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui à la Tachana Merkazit de Tel Aviv? Vous savez, en Californie où j'habite, il y a autant de morts dans une journée sur l'autoroute. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais la vie est dangereuse partout. Peut-être j'aurais douté si on me demandait d'aller à Bagdad, où c'est vraiment quelque chose, je pense, de très, très, très intense. Mais c'était pas un facteur dans ma décision. Je pense que tout le monde est inclus dans cette histoire de tout ce qui est en train de se passer ici. J'étais déjà honoré d'être demandé de venir ici pendant cette époque, parce que je sais que c'est très très tendu. Et je pense que des événements culturels comme ça, c'est des moyens de déstresser ce genre de situation. Je pense qu'il faut montrer une solidarité pour l'humanité, et c'est pour ça que je suis ici. Merci beaucoup pour venir en Israël en tout cas. Et si vous deviez venir l'année prochaine, accepteriez-vous l'invitation? Ah oui, mais je découvre plein d'endroits dans le monde, hein, comme la Russie, Moscou, j'ai découvert. Et ici, c'est un endroit que je savais que j'allais aimer. Hein, j'adore le désert, j'adore ce côté sec, j'adore la mer, mais aussi l'histoire qui est là. En tout cas, InfoLive vous remercie énormément. Merci beaucoup pour venir. Merci pour revenir. Je serai de retour. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Amos Gitai, shalom. Shalom. Naim Meod. So you are here presenting the festival of Ashdod. No, I was very. J'étais très ravi d'être à Ashdod, d'être à part de cette jury. On a vu 9 films. Je crois que c'était une expérience. Pouvez-vous nous indiquer peut-être un petit indice sur qui va remporter le prix du meilleur film cette année? Je crois que ça, il faut laisser la déclaration officielle. Merci. Merci beaucoup à Amos Gitai. Et puis, place à la surprise maintenant avec la remise des prix du meilleur réalisateur, du meilleur film, du meilleur espoir, jeune espoir, etc. On y va. L'Eleven Zarkashvili pour le film Tbilisi, Tbilisi. Chevra Shoftim, Odi Drashem, בטיפול האמיץ שלו במציאות היומיומית של החיים בגרוזיה. ביחס, בהסתכלות שהיא גם ביקורתית וגם נותנת נדבך חדש לקולנוע. אותו סרט, החלטנו להעניק לו גם את פרס הסרט הטוב ביותר. הוא הצליח ליצור תמונה חזקה של העיר טיפליסי בימינו תוך ערבוב של מציאות ודמיון.